voir un ange. Est-ce que vous croyez au ministère des anges? Je le crois de tout cœur. Nous nous croyons au ministère des anges. Les anges nous apparaissent. Les anges nous visitent. Les anges sont avec nous. Et quand nous marchons, nous ne sommes pas seuls. Quand nous sommes dans l'avion, nous ne sommes pas seuls. Quand nous sommes dans les bus, nous ne sommes pas seuls. Quand nous sommes dans les métros, nous ne sommes pas seuls. Nous croyons au ministère des anges. Et Dieu a affecté à chacun de vous un ange pour vous garder partout. Et quand tu crois au ministère des anges, mais je vous dis, tu es à l'aise. Quand tu marches, tu n'es pas seul. Oh, la Bible déclare. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les arrache contre tout danger. Nous croyons dans ce ministère ici. Frère Madame dit, je peux voir. Oh, j'aime ce langage. C'est un langage prophétique. Quand un prophète majeur dit que je peux voir, ça ne veut pas dire qu'il raconte une histoire, mais il le voit visiblement. Les choses commencent à se dérouler. Êtes-vous déjà posé une question? Genèse, Moïse est venu après Adam et Ève. Mais comment il a écrit la Genèse? C'est par quelle magie? Il commence au commencement et Dieu a créé l'homme. C'est par quelle magie? C'est un prophète. Dieu l'a ramené. Dieu l'a ramené. Jusqu'à ce que Moïse a vu Adam, Moïse a vu Ève. Jusqu'à ce que Moïse a vu la création. Ce qu'il a écrit, c'est ce qu'il a vu. Amen. Oh, nous sommes contents d'avoir un si grand prophète. Depuis Enoch jusqu'à aujourd'hui. Le prophète William Marion Branham. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Il voit. Oui, il voit. Il dit, je peux voir un ange se tenir à côté du trône. Et qu'est-ce qu'il faisait? Saisir une épée et dégainer l'épée. Et dire, Père, là sous la terre, laisse-moi descendre. Je suis Gabriel. Je vais changer la scène. Pendant que Shadrach, Meshach et Abednego se tournaient là, pendant qu'ils se demandaient que le ciel est fermé, mais au ciel il y avait une conférence. Et quelle était la conférence? Gabriel est venu. Il a dit, on ne peut pas accepter ce genre de bêtises. Seigneur, laisse-moi partir. Et qu'est-ce que Dieu a dit? Écoutez, regagnez ton épée, Gabriel. J'ai déjà vu cela. Et voilà un autre ange qui vient. Ce qui se passe. Ce que tu ne peux pas voir avec tes yeux naturels. C'est-à-dire que toi, pendant que tu dis que Dieu ne te répond pas, je vais te dire qu'il y a une restauration qui est en train de se passer, mais d'une manière invisible. Et la seule chose qui va concrétiser la chose, c'est ta foi. Soyez certain de Dieu. Même si tu vois que maintenant là c'est fini, c'est alors que la vie va commencer. Même si tu vois que maintenant j'ai tout perdu, c'est alors que tu as tout gagné. Parce qu'il y a une conférence. Et dans la conférence, il y a toujours un résultat positif. Absinthe, c'est lui qui avait. C'est lui qui avait exterminé les gens à l'époque de Noé. Lui qui avait amené le seau de pluie. Il vient, il dit, Seigneur, mais laissez-moi. Tu sais ce que j'avais fait à l'époque de Noé? Je vais descendre. Je vais tuer ce roi là-bas. Je vais exterminer. Je vais même éteindre ce feu-là. Et je vais laisser tout Babylone à un globe de l'eau. Qu'est-ce que Dieu a dit? Écoutez ce que Dieu a dit. Il lui dit, je sais que tu peux le faire absente. Tu es un ange fidèle. Voyez-vous? Mais je ne peux pas te laisser aller. Ça, c'est mon travail. Ça, c'est mon travail. J'y vais moi-même. Tu les as vus. Mais ça, j'aime bien ça. Donc Dieu, pour ce qui concerne notre rédemption, pour ce qui concerne notre situation, il n'a pas besoin d'envoyer des anges. Lui-même, il s'est dit, moi-même, je vais aller. N'est-il pas heureux d'avoir un si Dieu grand qui accepte de venir pour t'enlever dans la situation difficile?
Et ce soir, je crois que si tu es disposé, si tu es certain de Dieu, il redescendra et fera la même chose. Amen. Parce que le prophète de la madame dit que si tu te tiens sur la même base que d'autres chrétiens s'étaient tenus, Dieu est obligé, pas il va, est obligé de faire la même chose. Amen. Sinon, il n'est pas Dieu. Amen. Et ce soir, j'ai besoin que quelqu'un se tienne sur la même base et il verra le même résultat. Amen. Amen. Changer la scène. Oh frère, il est arrivé là juste à temps. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un m'apprend des choses? Amen. 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 Il est arrivé, il vient toujours à temps. Quand lui vient, la scène est terminée. Quand lui arrive, la solution est là. Amen. Quand lui arrive, les pleurs cessent. Quand lui arrive, le souci termine. Quand lui arrive, tu y as la solution dans tes mains. Amen. Écoutez ce qui s'est passé. Pendant qu'on prend ces trois épreuves, on compte 1, 2, 3. Quand on compte 3 là, lui déjà est dans les feux. C'est ça notre Dieu. Amen. Donc la situation difficile que toi tu as là, avant que ça s'aggrave, ton Dieu sera déjà dans l'affaire. Amen. Et il vient dans l'affaire pour faire quoi? Pour terminer l'affaire. Amen. Amen. Parce qu'il était dans les feux, ce n'était pas pour jouer. C'était pour terminer l'affaire. Et quand il était dans les feux, Shadrach, Meshach, Abednego, au lieu qu'ils sentent la chaleur, et ils ont senti les climatiseurs, en plein feu. Mais qu'est-ce qui était arrivé? Le vent de l'est devrait faire l'ouest. Le vent du nord devrait faire l'est. Et ça créait un climatiseur dans les feux. En plein feu, il ne pouvait pas transpirer. En plein feu, il ne pouvait pas sentir de la chaleur. En plein feu, oh, ce qui est impossible aux yeux des humains, c'est possible aux yeux des dieux. Ce soir, je vais te dire, ton Dieu est vivant. Notre Dieu est capable et plus que capable. Amen. Quel est ce Dieu-là? Devant la mort, il peut donner la vie. Devant la maladie, il peut donner la guérison. Devant la souffrance, il peut donner la joie. Devant les difficultés, il peut donner la solution. Pourquoi ne pourriez-vous pas servir un si grand Dieu? Chantez dans les feux. Le roi lui-même. Je loue Dieu parce que Dieu a permis que lui-même, le roi, puisse voir la chose. Parce que si c'était une autre personne, il n'allait pas croire. Lui-même, le roi, quand il regarde bien, il dit, tiens, je ne vois pas bien. Il met bien ses lunettes, il regarde, il dit non. Venez d'abord, vous avez vu combien de personnes là dans les feux? Nous avons mis 3 personnes, et non. Dis-moi la vérité. Vous avez vu combien? Il dit, c'est 3 personnes. Dit non. Mais regardez bien. Quand un regarde, il voit 3 personnes. Quand le roi regarde, il voit 4. Amen. Parce que la délivrance devrait être au rendez-vous. Quand il y a la délivrance, Dieu doit mettre la 4e personne. Amen. Parce que le chiffre 4, c'est la délivrance. Maintenant, ils ont dit bon, roi. Dites-nous d'abord, la 4e personne, est-ce que tu peux nous décrire cette 4e personne-là? Elle est comment? Il dit, attendez d'abord. Il dit, quand je regarde, je vois son visage. C'est comme un fils de Dieu. Amen. Ça, c'est le roi qui décrit. Et frère madame dit, c'est Jésus qui était là. Amen. Oh, j'aime bien ça. Amen. Amen. J'aime un Dieu pareil. Amen. Nous avons 3 enfants hébreux qui croyaient en Dieu et s'en tenaient à la parole, même s'ils devaient mourir pour elle. Ils étaient décidés à rester debout de toute façon. Juste une chose insignifiante consistant à s'agenouiller d'une façon. Mais lorsque le roi tourna les regards et vit Jésus, celui-ci était la 4e personne dans la fournaise ardente. Amen. Et cela protégea de la chaleur de ses serviteurs obéissants. C'est ce qu'a vu Nebuchadnezzar.
Amen. Nebuchadnezzar regarde, il voit quatre personnes, alors que c'était trois personnes qui étaient jetées dans la fournaise. L'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel Dieu lui-même. Amen. À chaque fois que tu auras des situations difficiles, la quatrième personne sera là. Amen. Et cette quatrième personne sera là, non pas pour t'observer, mais elle sera là pour te délivrer. Amen. Vous vous rappelez là dans la chambre haute, pendant qu'ils étaient là, les signes qu'ils ont eu du Saint-Esprit, c'était quoi? C'était les langues de feu sur leur tête. Mais ça ne consumait pas. Ça a été là, les gens voyaient des langues de feu sur leur tête. Et Frère Manam me dit, aujourd'hui, ces langues de feu-là sont dans nos cœurs. Amen. Mais ça ne nous brûle pas. Amen. Quand un sorcier vient, quand un magicien vient, il vient avec un feu qui n'a pas de l'impact. Et quand il jette son feu, nous, on est déjà immunisés. Donc c'est comme dans les systèmes de protection des maladies. Quand vous écoutez, on parle des vaccins de telle maladie, vaccins de telle maladie. C'est le germe en question qui sont atténués et on a placé dans l'organisme pour maintenant faire la défense contre tout autre germe qui viendra. C'est comme ça que nous nous sommes constitués. Le Saint-Esprit au-dedans de nous, c'est le feu qui est au-dedans de nous. Et ce feu-là qui est au-dedans de nous, ça nous préserve contre tout autre feu étranger qui peut venir pour nous faire du mal. C'est ce qui fait que quand quelqu'un vient chez toi avec un mauvais esprit, il trouve le feu et il prend fuite. On en a déjà vu plusieurs fois. Et quand il va raconter, il va dire que non, ces gens-là, ils ont des fétiches. Ces gens-là, ils ont des fétiches. Pourquoi ils déclarent fétiches? Parce qu'ils sont venus avec leur petit feu. Ils ont trouvé un grand feu. Amen. Et quand ils ont trouvé un grand feu, ils ne peuvent rien faire. Ils ont pris fuite. Et quand on te taxe des fétiches, il faut louer le Seigneur. Parce que ton fétiche fonctionne. Amen.